J'en crois pas mes yeux. Mesdames et messieurs, on attend ce jour depuis le 9 septembre 2021. On attend ce jour depuis le foutu 9 septembre 2021. Il est là, il est enfin arrivé. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais pas vous mentir, je m'attendais vraiment, mais genre vraiment pas à tourner. C'est tombé juste comme ça. J'étais posé en train de réviser et là, hop, qu'est-ce que je vois, mesdames et messieurs? Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Oui, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Marvel Spider-Man 2. Et pour le coup, je suis aujourd'hui porteur de heureuses et de bonnes nouvelles, mesdames et messieurs, pour la simple et bonne raison que ça vient de tomber un PlayStation Show. Showcase a officiellement été annoncé, et je dis bien un PlayStation Showcase et non pas un State of Play, parce qu'il y a une grosse différence entre les State of Play ainsi que les PlayStation Showcase. Les PlayStation Showcase, il y en a un une fois chaque 2 ans, 3 ans à peu près, dès qu'il y a de très grosses annonces à faire, notamment en 2018 avec l'annonce de la PS5, si je dis pas de bêtises, avec aussi l'annonce de Marvel Spider-Man Miles Morales. En 2021, bien évidemment, l'annonce de Marvel's Wolverine, Marvel Spider-Man 2 et tout, et c'est là où Internet a été cassé. Et du coup, oui, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, il y a une ou deux vidéos concernant Marvel Spider-Man 2, parce que oui, je vous avais promis dès qu'il y a le moindre petit quelque chose de rien du tout concernant Marvel Spider-Man 2, on allait se retrouver pour en parler sur la chaîne. Du coup, si tu veux suivre l'actualité de ce jeu, si tu veux suivre la hype envers ce jeu qui est juste incroyablissime, si toi aussi tu as fait le jeu 10 000 fois, que tu l'as terminé à 100% 10 000 fois et que tu es un grand fan du jeu, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est un conseil d'amis, abonne-toi, active les notifications, parce que ici, on partage notre passion commune et surtout envers ce jeu, et dès qu'il y a le moindre petit quelque chose de rien du tout envers le jeu, on va en parler. Bref, mesdames et messieurs, ça vient de tomber, un PlayStation Showcase a officiellement été annoncé, et encore une fois, comme j'étais en train de dire, ce n'est pas un State of Play, là où généralement ils balancent des trucs de rien du tout, des gameplays sur des jeux un peu osef et tout. Là, pour le coup, c'est un foutu State of Play. Le State of Play, mesdames et messieurs, ça tombe une fois chaque 2 ans, chaque 3 ans, dès qu'ils ont de gros trucs à annoncer. Comme j'étais en train de dire, ça avait annoncé Marvel Spider-Man 2, ça avait annoncé Wolverine, ça avait annoncé la PS5, etc., etc., le design de la PS5. Et là, pour le coup, mesdames et messieurs, tu notes ça sur ton agenda, là, maintenant, tout de suite, le 24 mai 2023 à 22h, mesdames et messieurs. Tu me notes ça sur ton agenda, tu mets sur pause, tu vas sur ton agenda, tu me notes cette date qui est juste une date que tu ne peux pas oublier. Le 24 mai 2023 à 22h. Parce que, mesdames et messieurs, ce fameux 24 mai 2023 à 22h aura lieu ce fameux PlayStation Showcase qui va bien évidemment, mesdames et messieurs, potentiellement à 99,99%, on en parlait dans toutes les vidéos Marvel Spider-Man 2 qui vient de sortir sur la chaîne durant ce mois-ci, tout simplement, va les regarder comme ça, parce qu'on était en train d'en parler il y a maintenant un mois, un truc dans le genre. J'étais en train de vous dire qu'il y avait un PlayStation Showcase qui allait être annoncé aux environs de la fin mai, début juin, c'est en train d'arriver, tout ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos concernant Marvel Spider-Man 2 est en train de se passer, mesdames et messieurs. Du coup, va les regarder. Tout ceci pour te dire que durant ce PlayStation Showcase 2023, ce 24 mai 2023 à 22h, on va avoir le tout premier trailer officiel du jeu. Parce que pour le coup, celui de 2021, c'était un teaser, c'était juste le truc qui te dit « Ok, Marvel Spider-Man 2 arrive », mais là pour le coup, ça va être le truc qui te dit « Ok, tu vas jouer à Marvel Spider-Man 2 en fin d'année ». Ça va être le trailer qui va te dire le jour de la sortie du jeu. Ça va être le trailer qui va te hyper. Ça va être le trailer qui va te donner potentiellement du gameplay. Ça va être le moment où on va se hype. Ça va être le moment des précommandes. Ça va être le moment où ils vont nous montrer des visual arts, de nouveaux trucs, de nouveaux gameplays, des trailers, des personnages, l'histoire, etc., etc., etc. Ça va être le moment qu'on attendait tous depuis 3 ans maintenant, mesdames et messieurs. Le moment où ils vont enfin s'étaler sur Marvel Spider-Man 2. Là où ils vont enfin parler du jeu. Là où on va enfin avoir des images conséquentes, potentiellement la jaquette du jeu, potentiellement là où ça va sortir, quand ça va sortir, comment ça va sortir, les trailers, les gameplays, les visuels, les personnages, tout ce qu'il y aura de nouveau en fait, la map potentiellement, bref, tout ce qu'il y a à dire concernant Marvel's Spider-Man 2, mesdames et messieurs, sera disponible dans ce fameux PlayStation Showcase.
Et oui, bien évidemment, et encore une fois, comme j'étais en train de vous dire, abonnez-vous et activez les notifications parce que ça va être un événement qu'on va suivre ensemble sur la chaîne YouTube. Du coup, encore une fois, tu notes ça sur ton agenda, 24 mai 2023 à 22h, tu viens sur la chaîne YouTube de Namiat, abonne-toi là maintenant tout de suite, le 24 mai à 22h, on sera en live pour réagir tous ensemble à toutes ces annonces, pour faire des vidéos réactions, pour regarder les trailers, pour analyser, pour parler de tout ceci en tant qu'une communauté en direct, en live. Je vais vous inviter, on va en parler, on va en discuter, on va blablater, on va réagir à ça et on va surtout suivre cet événement tous ensemble en tant que communauté et en tant que passionné de ce jeu. Du coup, voilà, mesdames et messieurs, il n'y a pas mille façons de le dire, il n'y a pas mille chemins par lesquels on peut passer. On va enfin avoir du nouveau concernant Marvel Spider-Man 2. Ça fait archi, mais genre vraiment archi plaisir, et juste le fait de le dire juste comme ça, juste le fait de dire que c'est potentiellement réel ce qu'on est en train de dire, et juste le fait de se dire oui c'est bon, ça va arriver dans une semaine en fait, ça c'est juste incroyable. Et du coup, juste le fait de se hyper à ce point concernant un jeu qu'on apprécie autant, j'ai vraiment beaucoup trop hâte pour ce 24 mai 2023. Bref, mesdames et messieurs, il n'y a pas forcément grand chose à dire à propos de cette vidéo. Je vais potentiellement vous proposer une vidéo durant la semaine avec toutes mes attentes concernant ce PlayStation Showcase, notamment concernant le gameplay, les personnages, ce que je veux voir, ce que je veux pas voir dans le jeu, etc, etc. Du coup, encore une fois, de l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. N'hésitez pas, vous, derrière vos écrans, à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela, quel est votre niveau de hype, qu'est-ce que vous voulez voir dans le jeu, qu'est-ce que vous voulez pas voir, est-ce que vous comptez venir ce 24 mai 2023. Je sais pas combien de fois j'ai dit 24 mai 2023 durant cette vidéo. En tout cas, ça va être une semaine mémorable, une semaine incroyable, mesdames et messieurs, à suivre ensemble sur la chaîne. Et franchement, merci de me faire vivre tout ceci, tout simplement, en étant youtubeur, en étant dans la communauté, ça fait vraiment grave plaisir. En tout cas, si tu as des potes qui adorent Marvel Spider-Man 2, n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum. On est de plus en plus nombreux dans la chaîne, on est de plus en plus nombreux sur la communauté. Tout ceci, c'est grâce à vous. Je compte sur vous pour le maximum de partage. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait. Tu cliques juste ici pour t'abonner pour ne rien suivre d'actualité sur la chaîne. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et surtout, rendez-vous le 24 mai 2023 à 22h sur la chaîne YouTube. Portez-vous bien. C'était Namiat.